Harry au garde-à-vous, cette posture risible est très étrange vu ses griefs contre la famille royale. Après avoir fait un voyage solo, le prince Harry a retrouvé Meghan Markle au Nigeria. Là, les Sussex ont eu le droit à un véritable royal tour. Mais l'attitude du duc fait grincer des dents. Leur voyage avait tout d'une tournée royale, sauf le nom. Après sa venue express au Royaume-Uni pour les Invictus Games, le prince Harry a retrouvé Meghan Markle au Nigeria. Une visite prévue depuis plusieurs semaines et que les Sussex attendaient depuis longtemps. Bien que retiré de la couronne britannique depuis le Mexit, le couple a suivi un programme digne des têtes couronnées. Dîner d'État, engagements associatifs, revue des troupes. Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas chômé. Mais si ce voyage avait pour but de renforcer les liens des Sussex avec le Nigeria, ce n'est pas ce que les experts ont retenu. Les spécialistes de la famille royale britannique ont en effet été nombreux à fustiger l'attitude du prince Harry et de Meghan Markle. C'est notamment le cas de Maureen Callahan. La chroniqueuse s'est copieusement moquée de la posture adoptée par le duc de Sussex lorsqu'il a entendu l'hymne national à Abuja. L'attitude du prince Harry, risible. La raison, il se tenait au garde à vous en inspectant les troupes au quartier général de la défense nigériane. C'est tellement risible et cela diminue encore davantage Harry aux yeux de la famille royale et du monde, a estimé l'experte auprès de GB News. Il se tient au garde à vous comme s'il détenait toujours ses honneurs et ses titres militaires. Comme s'il n'était pas dépouillé de ses fonctions. En 2021, après l'officialisation du Mexit en effet, le prince Harry avait perdu ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines auxquels il était très attaché après avoir servi en Afghanistan. À la suite de conversations avec le duc, la reine a confirmé qu'en renonçant au travail lié à l'appartenance à la famille royale, il n'est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public, écrivait le palais de Buckingham. Mais au Nigeria, le prince Harry aurait agi comme s'il les détenait toujours, selon Maureen Callahan. Harry et Meghan au Nigeria, gênant pour certains. Pour elle, les Sussex semblaient agir comme s'ils étaient toujours des membres de la famille royale. Alors qu'ils ont passé les 4 ou 5 dernières années à nous dire à quel point c'était terrible d'en faire partie. Et ce n'est pas la seule à trouver l'image du prince Harry au garde à vous ridicule. Sur les réseaux sociaux, certains scènes sont données à cœur joie en découvrant les images de l'événement où le duc a procédé à l'inspection des troupes. Tout cela est une blague, a écrit un internaute. Un autre a ajouté, il pense vraiment que c'est une tournée royale. C'est gênant. Harry n'est parti que pour se déguiser, a écrit un troisième. Il a fait semblant d'inspecter les troupes et s'est tenu au garde à vous sur l'hymne national comme s'il était toujours un membre royal senior.